Salut YouTube, bienvenue pour cette rediffusion incroyable et forcément exceptionnelle de cette démo Flintlock, The Siege of Dawn. Je suis malade, je continue à être malade, vous l'entendez je pense. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc on s'est dit, bah on va faire tranquillement, on va jouer un petit peu à des démos. Donc peut-être que la démo ne sera plus disponible quand on verra cette vidéo, c'est pas grave. On est là pour s'amuser, merci à tous. Allez hop, on y va. On va découvrir un petit peu ce que ça donne, cette petite démo de Flintlock. Et t'es malade, Bernard. Jeu qui arrive au mois de juillet, d'ailleurs. De mémoire. Ça m'a l'air d'être bon. Eh ben, allons-y. On va suivre le... Oui, je vous ai passé le début. Je vous ai passé le début. Puisque, de ce que j'ai pu comprendre, apparemment, le jeu est un Souls. Un petit sous-like. J'ai senti le mal de gorge qui t'habite. Ah mais moi là je suis habité par un démon. Je sais, le démon m'habite. Voilà. Je suis habité par Lucifer. Évidemment. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Ah, bah voilà. Cette vidéo va très mal vieillir. Ça sera l'occasion de faire un petit short. Mais qui es-tu? Bah après, est-ce que si le jeu il a la gueule d'un 70 méta, c'est pas grave. Tant que le gameplay est bon, ça me va. Pour l'instant, que sur PC la démo. Et je pense qu'il y aura que sur PC de toute façon, puisque le Steam Neo Fest est bientôt fini. Ah, waouh, super. J'ai un renard qui veut me bouffer. Ça me fait tellement penser à Banishers. C'est un truc de dingue. The gods. What's to stop me starting with you? Nothing. Death to gods. Death to god. Je crois qu'il est pas très content. Je crois pas qu'elle est sur PS5, faudrait essayer, mais je suis pas sûr. C'est moi ou c'est pas très fluide ce jeu. C'est peut-être le stream. Parce que chez moi c'est fluide. Ah c'est peut-être chez vous. Et alors, on va passer à la cinématique. Bon bah à mon avis, je pense que c'était plus la cinématique qui était problématique. Chez moi pas fluide. Ah. Et maintenant? C'est surtout maintenant que c'est important pour le gameplay. C'est important. Pas de démo sur PS5. Merci. Salut Bad Taste, bienvenue. Ouais, c'est la cinématique, ouais. Oui, c'est pas... Puis c'est une démo, attention, encore une fois, c'est pas le jeu complet. Mais qu'est-ce que... Donne-moi de ta poudre noire. Pourquoi faire? Pour la sniffer, bien sûr. Compétences acquises. Oh. Alors, la poudre et l'acier. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok, mobilité, et là... Compétence de survie, pouvez-vous vous mettre en garde pour ne pas subir de dégâts au corps à corps. Oh non, moi je... Vous ne pouvez ni bloquer ni parer les attaques imparables. Oui, ça j'ai bien compris. Ah oui, mais ça je l'ai déjà, je suis con, abrutive. Espèce de débile. Ah mais en fait je peux rien prendre pour l'instant. Bah oui, je suis con. Bah oui, je suis con, j'ai pas assez de points. D'accord. Ah oui, c'est parce que j'ai... Ah oui, non mais j'ai rien dit. Non, je viens de débloquer une compétence, c'est celle-là. Voilà. Excusez-moi, je suis très malade. Mes excuses, j'ai pas lu. Ah oui, d'accord. Très bien, très bien. Ça va laisser. Le jeu sera 40 balles, faut pas s'attendre à un foudre de guerre. Non, 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 mais bon, si au moins il y a le mérite de... Voilà, de faire son petit effet, ça peut être cool. Parce que je crois que le jeu sort le 18 juillet, donc ça va aller vite. Et dans le Game Pass, bien sûr. Ah, je vais mourir. Oui, bon, ça, je sais. C'était tout juste, hein. C'était juste un bridou. Alors saute. Mais saute. Ah, j'allais dire. Chaque marche. Alors, sur de puissantes capacités, ouais, la jauge d'annihilation, et ensuite appuie sur Y et LB. Tempête maudite. C'est un peu fort. J'ai eu l'impression que c'était un peu fort, non? Vous avez pas cette impression? Je trouve aussi. Bon, c'est un peu OP. Bon, c'était un peu. Un peu OP. Alors, jauge d'amorce. Alors, jauge d'amorce. Puis en leur infligeant un coup critique. Ouais, c'est une jauge de stagger, quoi. Appuie sur lui pour attaquer avec Enki. Enki Bilal. Si vous avez la rêve, bien sûr. D'accord. Donc on fait appel à Enki et du coup après il le déstabilise. Bien. La jauge de Stana. La jauge de Stana. Ennemi en armure. Ah, toujours avec la jauge d'amorce. Ah, il faut vraiment que j'appuie en fait comme un... Comme un dégène. Ok. Bien. Alors la particularité c'est que vous voyez au milieu à gauche, c'est marqué plus 56% et machin, etc. Donc ça veut dire que ça c'est des points de compétence que j'ai récupérés. Et donc, pour les gagner définitivement, faut que j'appuie sur la touche. Voilà, et là je les ai gagnés. Et du coup ça remet après à zéro mon multiplicateur. Je sais pas si vous avez bien compris. Oui, bon, ça, blablabla. Ok, donc ça, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, ça, c'est pas mal, ça. Ouais. On va prendre ça. Oui. Finally. C'est pas très clair mais on fait avec. Vous voulez dire que j'ai pas été très clair? Ça vous voulez dire? Très bien, merci. The dead. Dead or alive. Je sais pas ce que je fous là. Mais... Comment ça c'est pas très clair? Alors, sur le petit comité, ouais, affronter les forces ennemies pour trouver leur chef. Très bien. C'est parti. Vaincre le chef. J'ai glissé, chef. Ok, en tout cas, c'est plutôt fluide hein, dans les attaques. C'est plutôt fluide, je trouve. Ce qui est rassurant. Enfin, chez moi c'est fluide, après chez vous... Oula. Affaire classée. On peut pas changer d'arme dans le jeu. Si, je crois. Ah, pour l'instant j'ai qu'une hache, donc difficile à dire. Mais on va dire que. On va dire que peut-être potentiellement que oui. C'est quoi ça? Super. Ah, j'ai gagné une annonce de conscription. D'accord. Ouais, je suis d'accord, Karma. Ouais. Où est le méchant? Yeah. Je suis maudit. Maudit pour l'éternité. Ah, un boss. Oh, les musiques sont cool. Dommage. J'ai perdu mes points. C'était facile. C'était facile. Armée des morts vaincus. Bien. Ah, on va aller au coffee shop. Le café revient d'ouvrir un nouveau point de contrôle. Pour ça, votre santé. Ok, ok. Oula. Très bien. C'est pas du tout bizarre. Bon, tu reçois un café? Oui, bien sûr. Salut JB, ça va? Bon, bon. C'est ceux qui ont fait Ashen, ça me dit un truc. Oui, tout à fait. Ashen, il était sorti pareil, c'était un Souls-like, un peu dans le même principe. Fiole de soin. Oh, on peut prendre des nouveaux vêtements. Ouais. Trop bien. Bon, on s'en fout, hein. C'est pas ce qui nous intéresse. Qui es-tu? Tu es Baz. Hachem. Hachoum. I knew you'd made it. I knew it. Did anyone else make it? I knew it. Did Harlan? He fought to the end. Got that winged bastard. No. Hachi. Oh, c'était pas si mauvais que ça, Sean. C'était même plutôt cool, je trouve. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est bien, je peux jouer. Attends, j'ai pas fini mon dialogue avec Baz, il faut que... Ah oui, oui, blablabla, bla, 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 merci. Allez, se rendre au 3. Our worst fears came true. When the coalition's lines broke, the dead spilled into the world. It took every treacherous back road I knew to dodge their hordes. To push them back, we'd need an army. The only place that still had one was Three Peaks. A hard place, breeding harder people. Its knights are the oldest and greatest army in the world. Conquered most of it even. Now they rest on their laurels, rich off the fortune in black powder under the kneeling keep. 2 grueling weeks later, we were in sight of their capital, the city of Rit. Let's hope they'll help us save the world. Maybe then Nor will forgive herself. Dark Souls 5. Et là, la démo est terminée. Ah, pas fini. Petit voyage rapide. Oh. Cool. Des matériaux de fabrication. Oh non. Ah non, va falloir encore fabriquer des trucs à la con. Oh. Oh non. Tiens. Amélioration. Ah, d'accord, c'est pour des améliorations. Très bien. Donc, bon, on peut améliorer déjà la hache. Ouais, je pense qu'on aura d'autres armes à mon avis. À mon avis, il y a de très fortes chances qu'on ait d'autres armes quand même. Respecter le donjon de l'humble. Ouais, je pense qu'on est plus sur un jeu type action-aventure, ouais. Ouais, je pense. Hein. Alors, c'est quoi ça? Ah. Très bien, on va pouvoir voyager d'une faille à une autre. Wow. Oh, ok. Bon, c'est cool ça. D'accord. Ok, ok, c'est particulier, mais pourquoi pas. Ah, on sent le budget, oui, bah de toute façon. On va pas s'attendre à un budget de ouf. On est sur PC. Pour l'instant, la démo n'est pas sur console. Bon rétablissement, Bibi, force à toi. Merci beaucoup pour les 20 balles, Helldiver. Combien? Merci beaucoup. Oui. Merci infiniment, mec. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien, qui fait plaisir. Oula. Oh, je crois que j'ai pris des dégâts. Merci infiniment, mec. Another god. Another one. Pour la démocratie, bien sûr. Merci Deus Ex, merci beaucoup. Oui, on est sur... On est sur un petit double A, bien sûr. A priori, il y a eu un leak sur Black Myth, ça serait pareil, pas un Souls, mais plutôt action boss rush. Ouais, mais il me semble qu'ils l'avaient dit. Hein. Il me semble que, de mémoire, ils avaient bien dit que, de toute façon, on serait plus sur un mode boss rush, un peu à la Cuphead, quoi. Ou un peu d'autres jeux du même acabit. J'ai eu peur. Il se passe des choses là-bas. On va d'abord aller là-bas. Phantom Blazeroth qui n'est pas du Souls. Il me semble que non. Oula, ça ramouille un petit peu ici. Ça ramouille. Alors, parer leurs attaques. Comment on fait déjà? Comme ça. C'était facile. C'était facile. Bonjour. C'est pas les meilleurs refs. Banishers et Forspoken, certes. Les devs de Deathgoth vont produire un jeu avec une sorte d'affecté aussi, type monde semi-ouvert avec un peu plus de liberté. Oh, pourquoi pas. Salut Elisitas. Ciao, ciao. Merci à toi. Chef vaincu. Alors on va aller... Il est où? Je suppose qu'il est par là. Ou par là. Allons-y. Mais qu'est-ce que... Oh, mais genre j'ai pris des... Ah, attendez, il y a un crâne. Le crâne de cristal. Non, c'est pas encore sorti, c'est la démo sur PC. Oh bâtard! Tiens donc! L'ennemi! Alors, grenade déchiqueteuse. Ok. Alors, hop, sélectionnez notre nouvelle grenade, ouais. Et ensuite, il faut jeter. Très bien. Plus de gueule qu'Enotria. Est-ce que c'est vraiment... C'est vraiment une surprise. Je sais pas. Autorisé sur un petit café vu que tout le monde demande la permission. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y. Faites-vous plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis là ? Imbécile, va, débile. Putain, mais débile profond. Oh, bâtard. Ah, parfois, c'est dur à trouver les... à voir les attaques, hein. C'est parfois un petit peu brouillon. Ah, hache du héros. Une nouvelle hache. Hache, hache, hache. D'accord. Alors attends, est-ce qu'elle est mieux l'autre? Ah ouais. Donc la hache de Nord, elle est mieux. Donc celle-là. Qui es-tu? Ah, tu es un méchant. J'ai compris. Oh, super. Ça a failli bien se passer. Merci Terry, merci beaucoup. Why would they take away all the black powder? This is madness. If black powder can tear down the barrier at dawn, it can harm a god. Ramuha is simply eliminated. Ah, ça fait déjà 24 minutes, hein, mine de rien. Prendre mes points. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, donc faut mettre le baril. Il faut se barrer. D'accord. Allez. Ah mais genre putain. Pourtant j'ai attaqué hein. Ok c'est fait. Alors ce que ça donne. Oui le jeu c'est Flintlock. Démo disponible sur PC. Et le jeu sort au mois de juillet. Night Springs. Oh bâtard. Marche bien. Oula. Eh ben. Bring it on. Ah, on a pu empêcher qu'il attaque. Okay. Très bien. Bah, je pense qu'on fera, ouais, je pense qu'on fera un petit test quand il sera en version complète, potentiellement. Bim. Bim, naze gueule. Ah, on va pouvoir se reposer. Ou pas. Ok. Hit Pop Chenso, enfin prévu pour septembre. Octobre en boîte, c'est cool. Même chez nous. Parce que ça, c'est pareil, hein, pendant un temps... ils avaient pas vraiment évoqué le fait que... Oh bâtard. Ah, je crois que je lui fais un peu mal. C'est quoi ça? C'est un chocobo d'ailleurs qui fait énormément de dégâts. Putain, le chocobo... Chocobo était très énervé quand même. Hein. Le CEO a confirmé une version boîte chez nous. Ok. Très bien. Allez, il est où le chocobo là? Faudrait que j'utilise un petit peu plus les attaques spéciales quand même. Faveur. Faveur. Ça tombe bien vu que c'est la fête des pères. Voilà. Parce que c'est la faveur des. Oh. Ouf. 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 Oh là là. Bah quoi, elle est bien, non? Osez me dire que vous avez pas aimé ma vanne. Oh mais... Oh mais genre, putain. Attends, attention, je vais tomber. Ok. C'était facile. Merci Jérôme, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Ah, arme à feu secondaire, très bien. Oh là, le mousquet. Oh oui, bien. Bon, ça peut être pas mal ça. Alors, visée stable, oui. C'est tout? J'ai plus de munitions. Mais pourquoi j'ai fait... Abruti. Ouais, j'ai plus de munitions, je peux plus. Tirer sur les cibles. Ouais, je peux plus. Oh, c'est con ça. Merci Etienne. Bon courage, ciao ciao. Ah oui d'accord. Ok, j'ai compris. Mais ça marche pas. Mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de ces morts? J'ai pas compris là. Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris là. Donc tirer sur les cibles, oui. Donc là. Mais ça vise à côté, mais comment veut... Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de ces morts? Ah là ça marche, mais pas avec l'autre. Bah du coup faut tout fort marcher encore. Je comprends rien. Ah non mais là c'est bon. Ok, c'était un peu de la merde quand même. Hein. C'était un peu du bras, hein. C'est pas grave. C'était un peu du bras, mais c'est pas grave. Allez, hop. On y va. C'était un peu du bras. Salut Viron, bienvenue. Et moi, j'aimerais bien voir s'il y a un petit boss, là. Un petit Hugo boss. Un petit Hugo boss. Ah ouais, les environnements, ça fait... Ça fait tellement Banishers. Ah d'accord, c'est Sniper Elite en fait. Très bien. Get ready for the next battle. C'est violent. Sniper Elite. Beaucoup de repompes. Bon après en soi si ça se laisse jouer, moi ça me va. Hein. C'est un mélange des genres. Voilà. Je mets surtout au maximum de m'éviter l'import d'Alan Wake. Pourquoi? Pour la version boîte? Oh oui bien, oh, c'était exceptionnel. C'était assez exceptionnel ce qu'on vient de dire. Bien. Ah, vaincre le chef. C'est parti. Where is the chef? Chef. Merci. Merci Givrali, merci beaucoup pour les 5 €. Merci à toi. Combien? Merci beaucoup, ça va apparaître. Hein. Comme d'hab, la notif apparaîtra. Faut juste. Faut juste attendre un petit peu. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Ok. Where is the chief? Oula, j'ai vu que ça a ramouillé là. N'ayez crainte. C'est normal. Salut Tenko. Rat mouillé. Un rat musqué. Ramuncho. Oula, 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 oula. Alors là, par contre, là, je l'ai bien vu. Là, je l'ai bien vu ramer, là. J'allais dire, j'ai pris le dégât ou... Non, ça... Chaya le bœuf. Oh putain. Putain, je lui ai fait 0 dégâts. Je vais mourir, hein. Je tiens à vous le dire. Dommage. Oh, on n'était pas loin, il restait pas grand chose en plus. Dommage. Dommage, dommage. Ouais, le feedback est un petit peu particulier. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce qu'on sent que... Ah putain, c'est loin. Oh, j'ai tout perdu en plus. J'ai perdu tous mes points. Point. C'est pas grave. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. D'accord, je vais mourir en fait à cause des putains de chocobos. Putain, je suis mort. J'ai tout perdu mes points. Merci à tous, jeu de merde. Merci à tous. Mais on aime bien sûr. C'est un plaisir. Donc on peut pas vraiment rusher. Sinon on se fait dépouiller. Très bien. Le jeu c'est Flintlock. J'ai tout perdu. J'ai perdu tous mes points. Je suis content. Je suis très content. Jeu de brin. Jeu de brin. Allez, on va bourrer. Allez, viens. Viens le chocobo. Hop, ouais, dans son cul. Dans ton cul. Dans ton deuxième cul. Ah, eux, ils sont très résistants. Ouais. Alors ça, c'est complètement débile. Tu te recules... Pour faire donc RT, donc pour mettre une attaque de flingue, et t'as une animation qui te projette vers l'avant. Ça, c'est quand même une idée de débilos, hein, on va pas se mentir. Quand même une sacrée idée de débile. Hein. Bref. Bref. De toute façon, il y a le poulet. Et je remarque qu'on n'a pas de jauge d'endurance. Également. Ah ouais, j'ai regagné ma réputation, c'est fou, non? Ah bah là, il l'a pas fait. Bref. Ouais, non, j'avais pas avancé, justement, j'avais reculé. Bon. Ouais, encore une fois, c'est un détail. Lui a pas tout compris. Allez, on va refoutre le boss. Oh mais sérieusement, putain. Mais putain! Il est où? D'accord. Ok. Mais putain, je vais encore mourir, ça. Sa grand-mère. Je vais encore mourir. Ça va. Ouh! Ça a failli très mal se terminer encore. Hein. Ok. Et voilà, démo terminée. Thank you for playing. Vous avez terminé la démo de Flintlock. Rejoins Nor et Enki dans leur quête pour vaincre les dieux et apporter la paix aux terres de Kian. Ou Kian. En jouant la version complète du jeu. Ça sort le 18 juillet. Bon, écoutez... Bon... On verra, on verra. Pour l'instant, je peux pas dire non plus que j'ai trouvé ça génial. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un petit truc cool. Mais bon. Bon, c'est déjà mieux que... C'est déjà mieux que... Comment il s'appelle? C'est déjà mieux que Enotria, hein, à choisir. C'est pas le même genre de jeu, vous allez me dire, mais certes, mais bon. Mais bon. Ça se laisse jouer, quoi. C'est générique, mais ça se joue. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un jeu qui va être, à mon avis, très basique. Et puis, il va faire ce qu'on lui demande de faire. Et puis, c'est tout, quoi. Mais pourquoi pas? Allez. Pourquoi pas, pourquoi pas. Merci YouTube, à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.